sûr que vous ne connaissiez pas ce morceau. Et pourtant, nous le jouons depuis ce matin. Ça s'appelait Cortensil, c'est le nom d'un médicament. J'espérais en le composant que nous serions subventionnés par un laboratoire pharmaceutique, mais ils n'ont probablement pas entendu. Donc, on oublie et on va passer à la suite. On va passer à la suite. Un morceau au titre incompréhensible, enfin pour ceux qui ne connaissent pas l'orthographe, Incoercible, avec un solo d'Éric Lalanne. Thank you.
titre qu'il faut que je vous explique. Le prochain s'appelle Western. Pourquoi Western? Parce que mon tubiste préféré qui se trouve être derrière moi, un tubiste est un joueur de tuba, vous savez, le gros appareil jaune. Il se trouve que pendant son solo, ça me fait penser à la chevauchée fantastique, je ne sais pas pourquoi. Western. Thank you.
Thank you.
just as the wind. Thank you.
Denis, Lolo, les gars, ça va. Voilà un morceau difficile à comprendre, mais au titre très facile. Doux comme un agneau. Thank you.
quelquefois dans les musées. En général, quand il y a une exposition, il y a des tableaux, mais des tableaux de peinture. Ici, c'est différent. Nous avons écrit un morceau qui s'appelle « Exposition sans tableau ». Le soliste sera Claude Egea, premier trompette de l'orchestre. Thank you.
club EGA. Objectif. Morceau qui s'intitule Mythe décisif. J'ai écrit la musique et Camus le texte. Thank you.
Nous allons conclure ce programme ésotérique. Pas pour nous, pour vous, j'imagine. Avec un morceau qui s'intitule maintenant 144 à la blanche. Au début, il s'intitulait 288 à la noire. C'était quasiment injouable. Maintenant, on y arrive.
Jean-Philippe Morel. Robert Serral, chant. Nous avons aussi Lionel Turin au corps et Marc-Roger Pépinard. Quant au piano, c'est un Yamaha.